hymne et nous passons l'hymne d'abord avant la présentation. Et si, avec votre permission, je vais vous partager l'hymne. Ça va durer 3 minutes et après, on se reprend pour donc discuter de l'opportunité que je vous présenterai pendant environ 1 heure. Allez, c'est parti. Je partage mon écran avec vous. Voilà. Merci. C'était ce que j'appelle notre hymne, donc qui nous permet maintenant de nous ouvrir alors les portes à notre opportunité. Comme vous avez pu entendre, notre leader, chanteuse, artiste reconnue togolaise, qui est aussi fondatrice, elle nous a donné des éléments clés et des mots-clés qu'il faut rappeler. Vous allez m'entendre parler de ces mots-clés-là au cours de ce webinaire. Sans plus tarder, je vais encore partager mon écran avec vous et lancer alors la présentation de ce pourquoi nous sommes là
aujourd'hui encore. Alors, vous me direz juste si vous ne voyez pas mon écran. Si vous ne dites rien, c'est que vous voyez bien mon écran. Nous avons deux objectifs principaux au cours de ce webinaire. D'abord, apprendre à connaître et à saisir cette opportunité-là. On s'intéressera à la société on passive, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va chercher à comprendre comment en devenir fondateur. Je m'appelle Orphée Mezetou Adom. Je suis dans mon quotidien, je suis entrepreneur et disposant d'à peu près 25 ans d'expérience dans les nouvelles technologies, les technologies de télécommunication et d'information, tant en Europe qu'en Afrique, dans une moindre mesure. J'ai parcouru plusieurs secteurs industriels et de base, je suis formé comme ingénieur en informatique industrielle, automatisation intégrée, les interfaces homme-machine, ce que nous appelons l'intelligence artificielle, aujourd'hui communément reconnue. Au cours de ma carrière, j'ai eu aussi à me perfectionner en obtenant un MBA de Siemens et un master de la Verik Management School en Belgique. Et donc, j'ai connu des sociétés de renom comme Siemens, Deutsche Telekom, HP, Deutsche Bank, etc. Voilà mon pedigree. Et c'est sur cette base-là, sur cette expérience-là, que j'ai pu jauger en rencontrant cette opportunité-là et j'ai décidé de la saisir. Non pas seulement pour la garder jalousement pour moi, mais surtout la partager avec vous. Mais avant toute chose, avant de partager l'opportunité en question, on passive avec vous, j'aimerais attirer votre attention sur ce à quoi doit ressembler une entreprise numérique idéale et comment bien la choisir. Pour bien opérer son choix, il faut se poser les questions de base, de bon sens. Avant de faire ce choix-là, il est important de savoir qui est derrière l'entreprise, que propose l'entreprise, le quoi, quand est-ce que l'entreprise est lancée ou sera lancée, depuis combien de temps elle existe, et pourquoi vous pensez que ce sera une opportunité pour vous à saisir, et enfin, comment pouvoir saisir effectivement cette opportunité-là, ou comment cette entreprise vient à vous. C'est ce que j'ai fait, mais avant toute chose, j'aimerais attirer l'attention de tous les invités, dont c'est la première fois dans ce webinaire, que nous ne présentons pas ici une opportunité de marketing de réseau qu'on appelle multi-level marketing. On ne présente pas ici une crypto-monnaie. Notre objectif ici, ce n'est pas non plus de vous parler de trading. Nous allons vous parler d'une entreprise réelle qui existe, qui fait dans l'informatique, qui fait dans l'Internet, qui fait dans l'intelligence artificielle. Et alors, c'est là-dessus que j'aimerais encore attirer votre attention sur moi, le cheminement qui m'a amené à décider de me lancer, de saisir cette opportunité. C'est très simple. Avant de pouvoir saisir une opportunité, il est, ou en tout cas, en ce qui me concerne, avant de m'embarquer, il y a cinq conditions obligatoires que je dois poser sur la table et m'assurer que, en dehors de ces cinq conditions, l'opportunité est capable de me procurer une liberté financière totale. Quelles sont ces cinq conditions? Premièrement, est-ce que je suis obligé de vendre quelque chose ou de parrainer quelqu'un? Je parle bien d'obligation. À cette condition, la réponse va être non. Je ne dois pas être obligé de vendre quoi que ce soit ou d'en parler à qui que ce soit pour pouvoir gagner de l'argent. Deuxième condition, est-ce que l'opportunité me garantit de gagner de l'argent si et quand je choisis volontairement d'en parler comme ce soir aux gens que j'aime, à ma famille, à mes parents, aux amis? Si oui, alors c'est très bien. Cette bonne deuxième condition, je check. Troisième condition,
Est-ce que cette opportunité garantit aussi à tous ceux que j'ai eu à parler ou qui me suivent de gagner davantage d'argent, sinon autant que moi? La réponse doit être oui à cette troisième condition. La quatrième condition, c'est est-ce que je suis obligé de sortir tous les mois des frais de maintenance, ce qu'on appelle autoship en anglais? Ceux qui ont déjà fait du marketing de réseau, ils savent ce que c'est les frais de maintenance autoship pour pouvoir garantir mes revenus. La réponse à cette question-là, c'est non. Alors, même si les quatre conditions sont remplies, il reste encore une cinquième condition. Je vais vous rappeler rapidement les quatre conditions que j'ai posées. Je ne suis pas obligé de vendre quelque chose ou d'épargner quelqu'un. L'opportunité me garantit de gagner suffisamment d'argent si je choisis d'en parler à quelqu'un volontairement. Elle me garantit aussi que tous ceux à qui j'ai parlé vont gagner de l'argent, sinon davantage que moi. Et quatrièmement, je ne suis pas obligé de payer des frais de maintenance pour garantir mes revenus. Enfin, quand les quatre conditions sont réunies, il reste une cinquième condition fondamentale que les gens oublient, c'est la viabilité des produits. Est-ce que le produit ou le service qui est proposé par l'entreprise est viable? Parce que on a connu des sociétés qui étaient là sur la place, qui ont promis des gains mirobolants, mais qui ont dû mettre la clé sous la porte, c'est-à-dire sous le paillasson. Elles ont fait banqueroute. Pourquoi? Parce qu'elles ne disposaient pas d'un service viable ou d'un produit viable. Dans notre cas, c'est ce que nous devons chercher absolument à garantir. Or, nous sommes ici avec On Passive qui répond point par point à ces cinq conditions. Et moi, c'est ce qui m'a motivé à vouloir partager ça avec vous. Vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez contrôler ce que j'ai dit. Lorsque vous allez apprendre à connaître cette entreprise, vous allez taper sur www.onpassive.com. Vous allez voir les produits. Vous allez voir que On Passive est en train de proposer quelque chose qui ne s'est jamais vu, qui n'a jamais été proposé auparavant. Et On Passive dit qu'il va garantir à tous les fondateurs un succès, que vous le vouliez ou non. Les produits qui sont offerts sont totalement extraordinaires, innovants, disruptifs en termes de technologie et sont totalement automatisés par l'intelligence artificielle. C'est très important de retenir ce mot et garantir un autofinancement, c'est-à-dire vous allez payer une seule fois pour saisir cette opportunité et vos abonnements futurs proviendront des bénéfices engrangés. C'est ça aussi, c'est unique, c'est énorme, c'est du jamais vu. Et le business qui est créé derrière est un business qui sera mis sur pilote automatique pour vous. Mais avant de pouvoir entrer dans les détails, j'aimerais que vous reteniez ici ce schéma. Le once passive peut être expliqué en cinq points, en 5 P, tout simplement. Quelle est la personne, je l'ai déjà dit, quels sont les produits, par quel processus, comment pouvoir saisir cette opportunité et comment on fait la promotion donc, de ces produits-là, c'est-à-dire quelle est la place donc, de ces produits sur le marché et quelle prospérité on en tire. Alors, sans plus tarder, quelle est la personne? La personne derrière cette opportunité s'appelle H. Moufaré et il a développé, ce monsieur, plus de 50 produits totalement automatisés grâce à l'intelligence artificielle sur Internet. Et pour pouvoir accéder, un processus très simple, un seul mail, c'est-à-dire adresse email, et un seul mot de passe. Il en fait la promotion grâce au marketing numérique boosté par l'intelligence artificielle qui est au cœur de cette solution. Et la prospérité qu'il promet est simple. Ce monsieur veut aider 1 million de familles. Retenez bien, je dis bien 1 million de familles à devenir millionnaires en dollars. Voilà sa vision et c'est ça qui me passionne. Ce H. Moufaré, le créateur, le PDG, le fondateur qu'on découvre ici, qui a décidé de lancer cette fusée-là, qui n'est pas encore en orbite, qui est en train d'allumer ses moteurs et c'est le moment
de joindre ce monsieur qui est H. Moufaré. C'est un père de famille, comme nous ici, avec femme et enfant, qui est arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans et en a 48 aujourd'hui. Il est un entrepreneur expérimenté, ayant à peu près même d'années d'expérience que moi dans le domaine, sauf que lui, c'est un gourou dans le commerce en ligne, dans le commerce numérique. C'est un visionnaire hors pair qui a un sens stratégique des affaires et qui n'est pas seulement une tête bien faite, mais aussi une tête bien pleine. Il sort avec des masters en technologie de l'information et en e-commerce, c'est-à-dire le commerce électronique, à l'université MIT, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Il a eu à fréquenter aussi l'université de Harvard, où il a appris à créer les entreprises. H. Moufaré comprend absolument les tendances de l'Internet, les tendances de trafic, les tendances de l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle. Il a déjà lancé plusieurs entreprises à succès ou aidé plusieurs entreprises à obtenir des succès. Et aujourd'hui, ce monsieur, c'est un monsieur au grand cœur parce qu'il a décidé que les milliards qu'il va gagner, il ne va pas les garder tout seul avec sa femme et ses enfants, mais il voudrait les partager parce que, dit-il, en gagnant plus de milliards, ça ne le rend pas plus heureux. Mais en voyant plus de monde, en donnant plus, eh bien, il se sent bien plus heureux. Voilà le côté humanitaire qui pousse ce monsieur à la grande vision avec un objectif donc, d'aider 1 million de familles dans le monde ou que ses membres de cette famille soient à transformer la pauvreté en prospérité. Alors, maintenant, comment fait-il? Comment s'y prend-il? La société a été créée en juillet 2018 aux États-Unis, à Orlando, a des bureaux en Floride, à Orlando, et a aussi des bureaux à Hyderabad, en Inde. Hyderabad, c'est le centre, c'est la Silicon Valley de l'Inde. J'ai été personnellement à Hyderabad en 2019. Sachez que c'est là où on trouve la crème des ingénieurs informaticiens et des experts dans tout ce qui est automatisation de l'informatique ou de l'Internet. En tout cas, dans l'intelligence artificielle, ils sont numéro un, sans contestation possible. H. Moufaré a embauché près de 1 000 staff, 200 à Orlando, et plus de 800 en Inde, comme je disais, où il a choisi la crème des crèmes. Je vais vous passer quelques images, vous allez voir, c'est comme si vous y étiez. Voilà les bureaux, un immeuble en Inde sur 6 étages, et où il y a donc ces 700 plus ingénieurs qui sont logés, et d'où ils développent tous les produits, les 50 plus. Quand vous arrivez, ben voilà l'intérieur, vous pouvez aller sur Google Earth pour voir vous-même ces bureaux-là. Vous pouvez aussi faire votre propre recherche pour trouver c'est l'emplacement à Hyderabad en Inde ou en Floride. En tout cas, il y a Onaka qui se charge aussi de partager avec nous donc, les différents artefacts, c'est-à-dire les preuves de l'existence réelle de cette entreprise. On passive. C'est un seul acronyme, il faut le retenir, c'est 4 mots. Si on devait définir en passif, on devait le définir par 4 mots. Qu'est-ce que ça veut dire, 4 mots? 4 mots, en 5 lettres, littéralement veut dire solution digitale complète, c'est le C. Automatisé, c'est le A. Grâce à l'intelligence artificielle, qui génère un trafic, c'est le T. Massif, ciblé et illimité, afin de procurer donc des revenus money, des revenus récurrents, passifs à ses clients, c'est-à-dire nous, les fondateurs, les premiers clients. Alors, lorsque vous voulez vous référer à on passif, vous direz, ah oui, on passif, c'est 4 mots, hein. C'est solution digitale complète, automatisée par l'intelligence artificielle qui nous génère des revenus grâce au trafic massif. Et ça, c'est en gardant ça en tête, vous allez comprendre maintenant pourquoi nous disons que cette entreprise dont nous sommes en train de parler sera la future licorne ou unicorne. La licorne, c'est cet animal
à une seule corne. Mais ici, quand on parle de cet animal dans l'entrepreneuriat, il s'agit de cette entreprise qui, au lancement, atteint et dépasse 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Eh bien, onde passive, ce ne sera pas une entreprise licorne, ce sera multicorne, multilicorne. Onde passive est déjà évaluée aujourd'hui, après 2 ans et demi, donc de sa création, à près de 5,5 milliards de dollars. Ça, c'est sa valeur estimée. Mais au lancement, on estime que après 1 an, elle va rapidement atteindre les 12-15 milliards. Retenez ça, on va y venir. Quels sont les faits essentiels quand on parle de onde passive? C'est une entreprise déjà mondiale qui compte près de 700 000 personnes comme vous, partageant les mêmes idées, les fondateurs. Je fais partie de ces 700 000. Il y a beaucoup de fondateurs ici qui font partie déjà de ces 700 000. Et j'espère que vous, invités qui êtes là aujourd'hui, vous allez saisir l'opportunité pour faire partie de ces 700 000 personnes. Personne n'a jamais fait ça. Aucune entreprise n'a été créée et à la création compte déjà près de 700 000 clients, en fait. Nous serons les tout premiers clients, mais nous prenons une part entière dans l'entreprise. Nous posséderons donc l'entreprise. Et les revenus qui seront générés seront des revenus, comme j'ai dit, en ligne, automatisés, pour n'importe qui d'entre nous dans le monde. Pas de discrimination. Nous faisons partie donc de cette cible qu'on appelle les utilisateurs d'Internet. Et sur les 8 milliards d'individus que nous sommes, il y a à peu près 6 milliards qui utilisent Internet aujourd'hui. L'objectif, le tout petit objectif que H. Moufaré a, c'est d'atteindre les 100 millions. C'est rien du tout. Et c'est ça qu'il veut viser. Mais derrière, c'est beaucoup. 100 millions d'utilisateurs la première année, c'est ça qui va générer donc des milliards et qu'il compte partager avec nous, avec les fondateurs, qu'il ne veut pas garder pour lui seul. C'est notre Teresa, Mère Teresa, avec un grand cœur, mais enfin qui a les moyens. Lui-même dit-il, Mère Teresa avait une grande vision, mais n'avait pas les moyens de sa vision ni de sa politique. Alors, à ce stade précis, imaginez-vous un instant fondateur de onde passive. En tout cas, au cœur de onde passive, eh bien, il y a l'intelligence artificielle. Cette plateforme est basée autour du marketing numérique. Tous les produits dont je vais vous présenter sont des produits faits maison, de A à Z, totalement brevetés, et il n'y a pas de bricolage là-dedans. Tout est conçu, tout est lié. Et comme je le disais, au cœur de la génération des revenus sera le marketing numérique. Le marketing numérique étant connu comme notre avenir pour tous les business à l'ère du numérique. Le modèle de onde passive, le modèle du business est unique, mais très simple. Une seule plateforme est mise à la disposition de tous ceux qui ont une entreprise afin qu'ils puissent être plus performants. Et tous ceux qui n'ont pas d'activité ou de succès en ligne dans le marketing numérique, qu'ils puissent enfin avoir aussi du succès. Et c'est ce que garantit la plateforme. Et la plateforme veut le garantir à plus d'1 million de personnes à obtenir cette abondance. Sachez qu'aujourd'hui, dans le business en ligne, il n'y a que 3% qui ont un succès. Les 97 autres n'obtiennent rien. Et H. Moufaré s'intéresse aux 97% restants qui n'arrivent pas à avoir du succès sur Internet. C'est ce qui le pousse à proposer donc cette plateforme. Cette plateforme se pose sur 5 piliers principaux. Le tout premier pilier, c'est les outils. Comme je disais, il y a 50 outils en ligne alimentés, automatisés par l'intelligence artificielle. Le deuxième pilier, c'est les trafics. Les trafics hautement ciblés et massifs qui génèrent un flux de clients en mode pilote automatique, c'est-à-dire que les clients qui nous seront alloués, nous comme fondateurs, nous n'allons pas chercher ces clients-là. C'est le trafic qui va les ramener vers nous et c'est leur commission qui va générer nos revenus qui feront de nous, fondateurs, les millionnaires dont H. Moufaré
veut avoir le million de millionnaires qui veut transformer dans le monde pour avoir un impact. Le troisième pilier, c'est la réduction de coûts. Pourquoi la réduction de coûts? À partir du moment où c'est un seul fournisseur, ça nous permet d'économiser de l'argent. Économiser d'abord pour nous, économiser pour d'abord un passif, économiser ensuite pour les clients aussi, parce qu'ils auront juste un seul fournisseur, un seul mot de passe, un seul mail, et ils ont accès à tous ces produits d'un clic. Quatrième pilier aussi, assez important, c'est le processus, comme je disais, un seul mail, un seul mot de passe, vous avez accès à ces 50 produits. Le dernier pilier, et pas des moindres, c'est les revenus. Les revenus passifs sont générés tous les jours de l'année, 365 jours, 24 heures sur 24, que vous dormiez, que vous voyagiez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, eh bien, la plateforme travaille pour vous et génère les revenus. D'où je disais qu'on n'a rien à faire. Est-ce qu'il y a des concurrents? Oui, bien sûr, bien entendu. Mais il y a des concurrents qui sont discrets, des concurrents qui n'ont pas des produits qui sont aussi viables. Les concurrents peuvent concurrencer un ou deux produits de On Passive, jamais les 50 ou les 60 produits qu'On Passive a développés de A à Z grâce à l'intelligence artificielle. Ces produits ici, je vais en parler, je vais essayer de les comparer. Vous-même, après, vous pouvez comparer quand vous allez devenir fondateur, vous verrez. L'outil phare que nous utilisons s'appelle Zoom. Au bienvenue à commencer ce webinaire en disant que, eh bien, Onaka a mis gracieusement à nos dispositions Zoom, qu'elle a payé, c'est payant. Et nous verrons que Zoom, il y a quelques années, on n'en parlait pas. On parlait plutôt des produits comme Cisco Webex, on parlait de Microsoft Teams. Voilà Zoom qui est arrivé et qui est aujourd'hui multimilliardaire parce que Zoom s'est amélioré et tous les clients que nous sommes sont allés vers Zoom. Ce sera pareil avec les produits de On Passive. Les technologies, il faut que je vous en parle avant de vous montrer les produits. Nous sommes à l'ère d'une technologie disruptive. Qu'est-ce qu'on appelle une technologie disruptive? C'est une technologie qui rend obsolète tout ce qu'on a déjà connu et qu'il est difficile de rattraper. Dans le passé, dans les années 90, lorsque nous étions encore étudiants ou en fin d'études, à l'époque, on nous a parlé d'Internet. Internet venait de sortir. Vous avez vu la révolution que Internet a apportée dans nos vies quotidiennes. On appelle ça une disruption. C'est une technologie disruptive. Ensuite, dans les années 2010, il y a eu la blockchain qui a donné naissance à la première crypto-monnaie, Bitcoin. Ça a été une deuxième révolution, une deuxième technologie disruptive. Et dans les années 2020-2021, où nous sommes, eh bien, il y a l'intelligence artificielle, la troisième technologie disruptive, qu'il faut chaque fois apprendre à saisir, parce que chaque fois qu'il y a eu ça, eh bien, il y a eu l'opportunité pour des gens de devenir milliardaires. Et Microsoft, de Bill Gates, lorsqu'on apprenait à faire les traitements de texte et consoles, on avait ce qu'on appelait Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3 pour faire les tableurs. On a WordPerfect pour faire du traitement de texte, etc. Microsoft, Bill Gates a compris, visionnaire qu'il était, qu'en combinant tous ces produits-là en un, eh bien, ça faciliterait la vie des utilisateurs. C'est ce qu'il a fait. Il est devenu multimilliardaire et depuis lors, il est resté l'un des plus grands richissime au monde. Il est resté même pendant des décennies, voilà plus d'une décennie, l'homme le plus riche au monde. Tout le monde connaît. Eh bien, ce sera le cas, pardon, ici aussi. Vous verrez l'écosystème de tous les produits développés par On Passive et les 50 plus produits sont tous connectés. Et ça fait un seul écosystème, donc une plateforme, mais puissante, jamais créée, qui permettra, quel que soit le domaine informatique, quel que soit le domaine numérique, eh bien, de le toucher. Vous pouvez après vous-même aller voir ce domaine. Lorsque vous devenez fondateur, vous allez avoir cette interface. Vous pouvez dès maintenant taper 3 fois www.onpassive.com. Vous allez voir déjà ces produits. Mais pour les tester dans leur version bêta et
les apprécier avant tout le monde, il faut en devenir fondateur. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Je commence par GoFounders. GoFounders, c'est la porte d'entrée pour votre entreprise, c'est-à-dire le business qui va être créé pour vous. Nous, les fondateurs, c'est notre bureau virtuel lorsqu'on devient fondateur. Il y a les produits comme Accounting. Je ne vais pas passer les 50 produits, rassurez-vous. Je vais vous donner ces exemples clés pour voir comment ça s'applique dans notre vie quotidienne. Accounting, ça simplifie la comptabilité, les inventaires, la gestion des comptes. C'est un produit, c'est les comptables, ceux qui, comme moi, qui conseillons donc aux entreprises de mieux gérer leur comptabilité, eh bien, ils ont maintenant un produit phare basé sur l'intelligence artificielle qui leur simplifie la vie. Nous avons un produit, moi, qui me passionne, qui s'appelle Academy. Academy, c'est l'université en ligne, c'est l'éducation en ligne. Cette application est unique en son genre pour tous les apprenants de tous âges. Elle détecte l'attention d'un apprenant en temps réel et surtout s'adapte à sa langue grâce à l'intelligence artificielle. Elle s'adapte dans 108 langues et de tous les niveaux, y compris jusqu'au niveau universitaire. Cette application permet aux professeurs de concevoir leur programme et le mettre à la disposition des étudiants. Et les professeurs, en leur tour, n'ont rien à faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de créer leur programme et le marketing numérique, dont le trafic va aller chercher les clients pour eux. Voilà ce que va faire l'intelligence artificielle derrière. Il est connecté avec tous les systèmes et il a un bureau physique derrière où tout est donc automatisé. L'autre produit dont j'aimerais aussi parler, c'est Obless. Là, Obless, c'est l'âme même de On Passive. Obless, c'est l'application qui permet de faire le levée de fonds pour toutes les œuvres, les bonnes causes et les bonnes idées qu'on aimerait soutenir. On appelle ça une application de crowdfunding. Il y en a plusieurs aujourd'hui, mais cette application-là sera unique parce que la part de marché est énorme et Ash Moufaré a dit, tout ce qu'on va lever ici pour les œuvres, ça ira aux œuvres. Avant de vous comparer au Bless avec les concurrents qui existent, j'aimerais citer Ash Moufaré lui-même. Il a dit, il est scientifiquement prouvé dans notre ADN que le pouvoir de donner est 10 fois plus gratifiant et plus épanouissant que celui de recevoir. Il faut savoir que les grands joueurs aujourd'hui du crowdfunding sont GoFundMe, Kickstarter et Indiegogo, pour ne citer que ces deux trois-là, géants. Ils font des bénéfices mirobolants, énormes. GoFundMe, 100 millions de revenus annuels. L'autre, le second, 30, près de 33, 34 millions. Et le troisième, que je cite ici, 24 millions. C'est autant de manque à gagner qui devrait aller aux œuvres qui ont besoin de cet argent. Et Ash Moufaré nous dit, eh bien, cet argent-là, eh bien, il ne va pas toucher cet argent, 100% va aller aux bonnes causes. Imaginez une plateforme sur laquelle vous êtes 1 million et vous avez une œuvre, vous voulez aider les orphelins de votre village et vous demandez et que chacun de nous nous donnons juste 1 dollar. Ça veut dire que vous pouvez déjà compter sur 1 million de dollars pour votre œuvre. Ça veut dire aussi que vous n'obtiendrez pas seulement 1 million de dollars, puisque c'est ouvert au monde entier, en tout cas à cette communauté de 100 millions la toute première année. Il y a maintenant, une fois qu'on gagne cet argent, la question qui se pose, c'est comment on le gère au fait? Il y a O-Wallet. O-Wallet, ça, c'est l'application et notre banque en ligne. Et ce portefeuille ou cette porte-monnaie que nous avons est propriétaire. Tout ce que nous gagnons, tout ce que nous recevons va être stocké là-dedans. Nous en disposons 24 sur 24. Nous en disposons où nous voulons et comme nous voulons. Nous pouvons retirer tout tout de suite. Nous pouvons échelonner nos retraits et nous pouvons aussi payer par
les systèmes de paiement, que ce soit la crypto-monnaie ou par carte bancaire, en virant, c'est notre argent. Attention, le pays dans lequel vous êtes, lorsque vous payez, eh bien, vous devez alors vous aligner sur les lois de ce pays-là, les lois fiscales. O-Shop, ça, c'est une application pour ceux qui ont une boutique en ligne. Même si vous n'avez pas de boutique en ligne, ici, il y a OCreate, il y a d'autres applications qui vous créent votre propre boutique. Vous n'avez rien à faire, encore une fois, qui vous permet de gagner davantage d'argent. Alors, OSTAF, puis peut-être je m'arrêterai là ou sur un dernier, mais j'aimerais vous parler de OSTAF. OSTAF permet d'automatiser vraiment la gestion des ressources humaines. Ça, c'est une application clé parce qu'aujourd'hui, moi-même, je conseille les entreprises pour la gestion de leurs ressources humaines et qu'on appelle hire to retire. Donc, depuis l'embauche jusqu'à la retraite, qu'est-ce qui se passe pour un employé? On a besoin de le gérer. On doit gérer ses présences, ses absences. C'est pour les femmes, les pauses maternité, vacances maternité, pauses carrière, etc. La paye, tout ça, eh bien, il y a un système désormais unique qui permet de le gérer et vous n'avez rien à faire. L'employé reçoit un seul mail, un seul mot de passe et tout ça, toute la gestion qui est liée à l'employé, elle est faite de façon automatique. C'est du jamais vu. Moi, je ne l'ai jamais vu jusqu'à maintenant parce que les applications dans ce domaine sont très chères. J'ai eu à les conseiller aux clients et je sais combien ils coûtent. Je voudrais aussi, là, attirer l'attention sur le fait que lorsque l'application sera lancée, eh bien, on n'a pas besoin de savoir si je suis une entreprise d'un salarié ou de 1 million de salariés. L'intelligence artificielle s'adapte automatiquement à la taille de l'entreprise. C'est du rêve. C'est un grand rêve. Omel, enfin, nous tous, nous utilisons les mails comme Gmail, comme d'autres mails, Google et autres. Ici, nous avons Omel et Omel est un outil de courrier électronique professionnel qui est doté d'un organisateur qui vous permet donc d'envoyer vos mails. Et cette application-là a été comparée avec Gmail, ceux qui utilisent Gmail, et les professionnels qui l'ont comparée massivement dans leur grande majorité, ils ont choisi Omel parce que c'est très simple d'utilisation, c'est très professionnel et moi, je suis pressé de pouvoir l'avoir et l'utiliser. Donc, passer de Gmail à Omel. Voilà. Maintenant, j'aurais pu continuer. Il y en a plein, par exemple, au trafic, je vous ai dit, qui vous permet donc de pouvoir avoir les trafics. Aujourd'hui, on utilise même la vidéo marketing pour pouvoir avoir les vidéos de qualité, les formats intelligents et surtout conviviaux, faciles à partager. Tout ça sera disponible. Maintenant, il faut que je vous parle de comment on transforme ça en prospérité. Alors, pour cela, je ne vais pas prendre les 50 produits, je prends tous les 5 premiers produits qu'on a évalués. Je prends le produit donc, de crowdfunding, 300 millions à minimum. Académie, donc l'éducation en ligne, e-learning, 200 millions. Vous additionnez vous-même. Hein? Et notre banque en ligne, notre portefeuille, près de 80 millions. La création des domaines de web, 53 millions. Au trafic, donc je venais de vous montrer 30 millions, etc. Si je m'arrête à 1, 2, 3, 4, 5 produits, eh bien, je suis déjà au milliard donc, de dollars d'estimation. Je n'ai pas encore évalué les 50 produits. Et ça, c'est le minimum. Voilà ce qui nous est promis. Dans un avenir proche, tout le monde, je dis bien tout le monde, utilisera quelque chose de onde passive. Qu'il s'agisse d'outils d'Internet, qu'il s'agisse d'outils électroniques, quel que soit notre domaine de business dans le numérique, eh bien, nous verrons des avantages pour utiliser un produit de onde passive, que ce soit pour la communication, que ce soit ce que vous faites, eh bien, il y a une raison de venir à onde passive. Aujourd'hui, nous avons tous des factures résiduelles qu'on doit payer. Pourquoi ne pas avoir des revenus résiduels aussi? C'est pour cela que devenir fondateur est très, très important. Moi, je le suis et je vous encourage. C'est le meilleur choix, la position du fondateur chez One Passive. Si vous n'êtes pas fondateur, vous pouvez toujours devenir client ou revendeur. Mais c'est une autre histoire. Comment devient-on fondateur? Et qui est fondateur? Moi, je suis fondateur, c'est-à-dire j'ai rejoint One Passive avant son lancement, qui sera bientôt, en ayant payé donc ma participation en tant que fondateur. Et au lancement, tous les fondateurs comme moi vont devenir automatiquement clients et revendeurs.
Notez-le bien, client et revendeur, mais n'auront jamais à vendre quoi que ce soit. Si on rate cette opportunité, on a encore l'occasion d'être client et là, on devrait payer. Et c'est réservé au grand public. Le grand public qui achète un ou plusieurs produits et on les appelle, ils sont réputés être clients chez On Passive. Les revendeurs, c'est un client qui achète la suite complète des produits et qui reçoit alors un trafic ciblé avec une licence pour revendre. Mais il y a un timing, c'est-à-dire il y a un chronogramme. Nous sommes là aujourd'hui. Si vous rejoignez aujourd'hui, pendant que nous parlons, à On Passive, vous allez vous acquitter seulement de 97 $. Et les fondateurs ne payent qu'une fois pour adhérer et une seule fois pour activer leur package. D'accord? Vous pouvez acheter autant de postes de fondateurs que vous en avez les moyens. Ce n'est pas limité. C'est illimité. Tout ce qu'il y a sur On Passive sera illimité. Il n'y a rien qui est imposé en termes de limite. Mais il y a la deuxième phase, c'est la phase qu'on appelle soft launch. Dans cette phase de lancement progressif, ce sera dans quelques jours, quelques semaines. C'est très chaud actuellement. Et la position du fondateur va progresser, va évoluer. C'est-à-dire, le prix d'entrée, eh ben, va être plus cher. Il sera minimum à 149 $, voire jusqu'à 200 $. Certains prédisent et le fondateur Hashim Faré va nous situer là-dessus dès qu'on sera dans le lancement progressif, c'est-à-dire soft launch. Dans soft launch, dans cette phase-là, on a l'occasion, tous les fondateurs, de tester les produits en version bêta. Et au lancement, qui est la dernière phase, on active alors notre paquet pour recevoir des revenus. Le poste de fondateur sera en ce moment-là définitivement fermé. On ne peut plus devenir fondateur, quel que soit le prix. Et ce serait alors dommage. Sachez que dès qu'on aura atteint le million, je pense que le fondateur aura atteint son objectif et il peut lancer cette entreprise à tout moment. Donc, nos invités qui sont là, je voulais attirer leur attention là-dessus et les rassurer en même temps que dans ce système, c'est sécurisé. Toutes vos données sont absolument sécurisées. À aucun moment, les données générées sur la plateforme On Passive ne seront partagées, ni vendues, ni monétisées. C'est grâce à l'intelligence artificielle que l'apprentissage automatique et l'analyse des données pour obtenir des informations sont faits en garantissant donc la confidentialité. Quand vous devenez fondateur, vous allez le signer. Je voudrais aussi vous dire tous les avantages que vous avez, vous les rappeler. Votre business, vous n'aurez rien à recruter, vous n'avez pas à recruter les clients, vous n'avez pas à prospecter les clients. Vous avez des trafics garantis, c'est-à-dire le nombre de clients qui doivent venir garanti. C'est l'autofinancement. Vous n'avez pas sorti de votre poche de l'argent pour pouvoir autofinancer. Tout est fait pour vous. Tous les outils imaginables et non imaginables sont mis en place pour vous permettre de réussir, c'est-à-dire de gagner de l'argent passif. Et tout est facilement accessible en un seul endroit, comme je disais, en single sign-on. Une seule connexion, un seul mail, un seul mot de passe. Il n'y a pas de copie ici. Il n'y a pas de plagiat ici. Toute la technologie disruptive qui est ici a été créée de A à Z sur la base de l'intelligence artificielle. Et tous les outils que vous aurez à voir sont brevetés, je l'ai déjà dit, de la plus haute qualité avec le prix le plus bas au monde. Alors imaginez lorsque c'est lancé, où seront alors les concurrents. Je pense qu'aucun concurrent ne pourra survivre à cela. La plateforme met votre business sur pilote automatique. Et ça, c'est du jamais vu, que ce soit pour faire votre publicité, pour faire votre prospection ou votre marketing en ligne, ou les recrutements, les signatures, etc. Tout est automatisé et que l'entreprise existe ou pas, on va la mettre pour vous. C'est-à-dire, dès que vous devenez fondateur, c'est considéré comme si vous avez une entreprise en ligne et tout est fait pour vous ramener autant de revenus récurrents passifs avec une seule plateforme de revenus passifs. OK? Alors, si on pense un peu à ces avantages en disant, je reçois une solution de financement pour toute cause. Dès que je peux avoir une cause, j'ai un outil pour aller chercher les financements pour cette cause-là. Lorsque l'argent est disponible, j'ai un paiement immédiat. Que ce soit pour la cause, que ce soit pour mes revenus, ce sera immédiat
disponible. C'est un revenu résiduel illimité qui vous est versé. C'est-à-dire que c'est un revenu qui augmente quotidiennement au fil du temps. C'est ça qui m'amène à croire qu'effectivement, H. Moufarai a raison. À terme, le million de familles, eh bien, va devenir millionnaire en dollars. Tout est automatisé et le marketing numérique est fait pour vous. C'est du jamais vu. Ce qui nous amène à dire ici, nous sommes là pour le gagner, c'est notre slogan. Notre futur est juste ici dans On Passive parce que c'est un système qui nous est fourni sans effort. Et je vous fais remarquer pendant que nous parlons, lorsque je voulais ouvrir ce webinaire, nous étions autour de 694 000. Et avant de finir, Onaka va nous dire combien nous sommes. Par jour, il y a près de 3 000 fondateurs qui nous rejoignent et qui nous rejoignent de partout dans le monde. On Passive s'adresse à tout le monde, quelle que soit votre origine, votre race, votre religion. Il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de discrimination possible. C'est met cette intelligence artificielle-là au cœur de cette plateforme et nous demande de l'aider à participer à cette aventure, en participant dans cette aventure-là, pour qu'il puisse transformer la pauvreté en prospérité. Les fondateurs que nous sommes, nous allons partager cette richesse que On Passive va créer grâce à H. Moufarai. Donc, soyez ce changement auquel vous aspirez et devenez fondateur aujourd'hui. C'est un changement total de paradigme sur Internet. Alors, si je dois devenir fondateur aujourd'hui, comment je m'y prends? Vous avez reçu de la personne qui vous a invité ici un lien. Ce lien-là vous permet, on appelle ça lien de sponsoring, enfin d'inscription. Quand vous cliquez sur ce lien-là, sur ce lien, vous remplissez vos données, vous recevez un mail et vous validez ce mail. Il vous ouvre sur l'écran de paiement. Vous avez trois méthodes de paiement. Où vous payez par la carte bancaire, où vous payez par crypto-monnaie, où vous payez par AppCash. Maintenant, je vais vous dire, pardon, notre préférence, c'est le paiement par carte bancaire parce que cette méthode de paiement est très simple. Vous payez 97 dollars. Il y a 5 dollars de frais de banque qui n'ont rien à voir avec On Passive. Et ce qui fait au total 102 dollars et c'est validé instantanément. Donc, vous devenez instantanément en ce moment-là fondateur. Si vous payez par crypto-monnaie, que ce soit par Bitcoin ou Ethereum, etc., eh bien, vous devez vous assurer que vous avez suffisamment dans votre wallet assez d'argent pour pouvoir payer les 97 dollars. Donc, il faut payer un peu plus pour que les frais aussi soient couverts. C'est validé par GoFounders, qui est comme j'ai dit, notre porte d'entrée, notre plateforme, bureau virtuel, sous 24 à 48 heures. Ce n'est pas instantané, ce n'est pas immédiat. Donc là, il faudra un peu attendre. Pour le cash, ça prend un peu plus de temps, on ne le conseille pas. Mais voilà, il y a ces deux méthodes en plus de la carte bancaire. Dès que le paiement est validé, vous pouvez vous connecter maintenant à votre bureau virtuel qu'on appelle back office et signer le contrat qui vous lie avec On Passive. C'est très important d'observer la confidentialité parce qu'on ne veut pas communiquer de façon publique pour ne pas mettre dans les mains de la concurrence des secrets industriels. Et vous comprendrez pourquoi. Dans votre back-office, vous accédez donc à ce lien aussi à votre tour. Vous pouvez parrainer. Vous n'êtes pas obligé, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Je pense que quand on voit ce qu'il faut faire et ce qu'on va gagner, moi, je prends le risque de dire ce business est zéro risque. C'est le seul risque que je prends. Parce que lorsque vous n'êtes pas satisfait au bout d'un an, vous pouvez demander à être remboursé. Ce serait dommage, mais vous allez être remboursé. C'est prévu aussi et vous allez le lire dans votre contrat. Cela m'amène à dire qu'au fait, c'est dans un business dans lequel on gagne, on gagne. Et nous sommes là pour le gagner. In it to win it. Alors, avant de clore mon propos, j'aimerais citer le Richard Branson, qui est un entrepreneur de Virgin, un entrepreneur visionnaire aussi, qui a dit que si quelqu'un vous offre un jour une opportunité extraordinaire, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir la saisir,
Dites d'abord oui et apprenez à le faire plus tard. C'est sur cette conclusion-là que j'aimerais vous remercier de votre attention, mais en même temps attirer l'attention sur ce que génère effectivement notre business. Je vais écouter vos questions. Je vais revenir dans les détails si vous les souhaitez. Vous pouvez écrire vos questions dans le chat room, mais vous pouvez aussi lever la main et les poser. Je passe la main maintenant au bienvenu pour prendre les questions. Je vous remercie. Au bienvenu. Wow. Fantastique. Wow. Fantastique. Félicitations.